Bon bah salut à tous, bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je reprends les sessions silures en Loire, voilà, l'été est bientôt fini. On a eu des petites pluies hier qui ont fait légèrement monter le niveau de la Loire. Alors c'est pas grand chose, hein. On est passé de 4 mètres cubes à une dizaine de mètres cubes, mais ça peut être suffire pour déclencher quelques touches. Voilà, donc les techniques que je vais utiliser aujourd'hui, bah, toujours les mêmes, hein. Je vais commencer bah, toujours par la couche supérieure en utilisant les Whooper Poplar, et puis ensuite je basculerai avec les Auto Spoon pour pêcher de plus en plus profond jusqu'au fond. Voilà. Bon, bah, ça commence plutôt mal, hein. En fait il y a plein d'herbiers et de lentilles qui dérivent, c'est impossible de pêcher au leur surface, donc je vais arrêter avec le Whooper, c'est pas la peine d'insister, hein. Je prends des herbes tous les 2 mètres. Je vais passer l'ondulante Auto Spoon, je vais essayer de tenter, pas sûr que ça marche. J'ai commencé avec le modèle argentin en 45 grammes, même si l'eau est un peu mâchée, j'aurais pu passer sur du noir. J'ai quand même pêché avec l'argenté, il y a un peu de soleil, c'est voilé, le ciel, là, il y a de la brume. Voilà, on va quand même essayer avec ça. 45 grammes, si je vois que ça le fait pas, je passerai en 65 pour pénétrer un peu plus rapidement la couche d'eau. On verra. Là, il y a quand même pas beaucoup d'eau dans le secteur. L'eau est teintée, il y a des herbiers de partout, il y a des lentilles qui dérivent. C'est un peu galère à pêcher. J'ai trouvé un petit trou d'eau là. Je pense qu'il doit y avoir quelques poissons dedans. On va assister un petit peu. Ouais, un beau poisson. Ah, c'est un beau fish. Ah, l'ondulante Auto Spoon, c'est vraiment de la balle. C'est un beau fish. À une treuille, je pense que c'est un beau poisson. Ah ouais, c'est un beau fish. Ah, ça fait plaisir de retrouver les silures de Loire à la cuillère ondulante. Ah, c'est pas bien, hein. Ah, il fait vraiment ce qu'il veut. Coco. Ah, c'est vraiment un beau poisson. Je pense qu'il y a peut-être bien 2 mètres. C'est bien possible. Eh ben, il a du jus, hein. Ah, c'est un bœuf. Ah, c'est un bœuf, ouais. Franchement, un beau fils de Loire. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, regardez-moi ça. L'Auto Spoon bien piqué. Il est parfait ce poisson. Beau, beau poisson. Ah. Regardez-moi ça. Wouhou! Et ben voilà, un beau poisson. Encore une fois, à l'ondulant. Ah, il doit bien faire ses 2 mètres.
Ah, il était vraiment très mal piqué. Hein. Il tenait vraiment pas rien. L'ondulante était piquée dans les dents. Il aurait pu se décrocher à la moindre, au moins petit mou de bannière. Il se décrochait. J'ai eu un peu de chance sur ce coup-là. Voilà un beau fiche, hein. Beau fiche de Loire. Voilà donc pris à l'octospoon, il m'a fait un super combat. Voilà, je suis arrivé sur un trou, j'ai senti de la profondeur, j'ai fait quoi, 3 lancers. Et c'était pendu comme d'habitude avec cette ondulante. Dès qu'il y a du fiche sur un secteur, et ben ça prend les petits, les moyens et les gros poissons. Allez, on va à présent le remettre à l'eau, hein, ce beau poisson. Il m'a bien fait, il m'a fait un beau combat, je suis bien content. Très beau poisson. Ça suffit, on va lui rendre sa liberté. Thank you.